Bienvenue sur le podcast Révolution Bilingue. Je m'appelle Fabrice Jaumont et aujourd'hui nous partons à la rencontre d'Anna Stevanato, la fondatrice de Dulala, d'une langue à l'autre, une association qui fait bouger l'apprentissage des langues et du plurilinguisme en France. Ce podcast est présenté conjointement par French Morning et Calec. Eh bien, Anna, merci beaucoup de rejoindre notre podcast Révolution Bilingue. J'aimerais peut-être pour commencer que tu te présentes, que tu nous dises d'où tu viens et puis aussi quelle langue tu parles dans la vie de tous les jours, à la maison et au travail. Alors, merci beaucoup pour cette invitation, Fabrice. Je m'appelle donc Anna Stevanato, je suis née en Italie, à côté de Venise, et j'étais ce qu'on appelle un bilingue précoce, en italien et en vénitien, langue parlée à la maison. Et à l'école, ensuite, j'ai appris l'anglais, et puis à l'université, j'ai fait des études en espagnol et en russe. Et voilà, le français, en revanche, je l'ai appris quand je suis arrivée en France à l'âge de 24 ans. Comment on salue en vénitien? Je ne sais pas. La salutation en vénitien est différente, bien sûr, des moments de la journée. Ça peut être « oi ». Il n'y a pas une grosse différence avec l'italien que tout le monde apprend. Ah si, ça dépend en fait des mots. « Bambino », c'est « usato ». Tu vois, rien à voir. Donc, ça dépend en fait des domaines, des mots, du vocabulaire, mais il peut y avoir des grosses différences. Et le vénitien parlé par mes grands-parents est très différent, beaucoup plus pur, on va dire, que le vénitien parlé par mes parents et puis aussi par les gens de mon âge, quoi. Et alors, et les enfants, les bambini, alors est-ce qu'ils parlent vénitien? Alors, i bambini, non parlano veneziano, ma lo capiscono. Donc, ils comprennent. Quelles sont les langues que tu parles à la maison, avec la famille? Alors, à la maison, avec mon mari, il est français. On s'est rencontrés en Russie, on a parlé pendant 3 ans espagnol parce que chacun ne parlait pas la langue maternelle de l'autre, tu vois. Aujourd'hui, on parle français entre nous. Et quand on est en France, et italien quand on est en Italie. En revanche, avec les enfants, lui, il garde le français et moi, je parle de plus, enfin, le plus possible l'italien. Mais je t'avoue que ce n'est pas si évident, en fait, de le parler tout le temps. Là, ça fait longtemps que je suis en France. De plus en plus, le français prend les pas sur l'italien, c'est normal. Alors, cette situation linguistique particulière t'a-t-elle amené finalement à ce que tu fais tous les jours? On va parler un petit peu de Dulala. D'ailleurs, il faut expliquer ce que ça veut dire, Dulala. Mais finalement, est-ce que c'est ça le point de départ, la maison, la famille? Écoute, le point de départ, c'est toute ma vie qui m'a amené à créer cette association qui s'appelle donc Dulala. Dulala qui est l'acronyme de d'une langue à l'autre. Et donc dans ces mots, on comprend tout de suite le projet qu'il y a derrière, n'est-ce pas, cette association. Quand j'ai dit que toute ma vie m'amène dans ce projet, c'est que en fait, toute petite, j'ai eu honte du vénitien, une langue parlée par mes grands-parents, parce qu'elle était considérée comme inférieure à l'italien. Et puis plus tard, j'ai eu honte d'avoir eu honte, tu vois, un grand classique. Et ensuite, il y a une autre expérience importante, c'est celle de la maternité. Quand je suis devenue maman à Paris, j'étais la seule à parler, à transmettre l'italien à mes enfants. Donc j'ai cherché naturellement d'autres adultes, d'autres personnes, parlant, partageant la même langue pour pouvoir la transmettre. Et puis, j'ai cherché surtout des groupes de jeux, des espaces ludiques où ma fille, Alice, à l'époque, elle avait 2 ans, donc entrée dans le langage à cette époque-là, et ben, j'ai cherché des espaces où elle pouvait pratiquer, apprendre la langue en jouant avec d'autres enfants. Et j'ai rien trouvé, et même constat pour d'autres copains, copines, qui parlaient arabe, espagnol, portugais, etc. Il y avait des cours des langues. C'était pas vraiment des cours des langues qu'on cherchait, parce que la langue,
les enfants la connaissaient. C'est la langue qui les ont bercés finalement depuis qu'ils sont arrivés au monde, même avant. Il y avait des cours, mais à partir des 6 ans, et puis souvent dans un cadre plutôt religieux, tu vois. Donc c'était la mosquée ou c'était la paroisse qui dispensait des cours. Donc j'ai cherché autre chose et je la trouvais pas. Et je trouvais que c'était dingue dans une ville comme Paris, une ville monde, qu'il n'y ait pas des possibilités finalement pour les familles bilingues. Troisième expérience transformatrice et fondatrice du projet des Dulala, c'était mon expérience d'enseignante dans une école très populaire de la ville de Paris. J'étais embauchée, on va dire, pour enseigner l'italien à des enfants du CP au CM2 en raison d'une heure par semaine. Et c'est là où je me suis rendu compte, avant d'enseigner l'italien, que les langues des enfants n'étaient pas du tout prises en compte à l'école. Ces langues étaient invisibles. Et du coup, ces enfants étaient invisibles. Et c'était un gâchis incroyable parce qu'on passait à côté des compétences qui étaient très puissantes en fait, et puis des partages qui étaient très heureux aussi, parce que quand on partage quelque chose, un savoir, et bah tout le monde en profite. Et puis aussi un constat plus général. Après, en étudiant la question, on s'est rendu compte que bah je suis pas la seule étrangère à Paris. Il y a un enfant sur quatre qui grandit d'ailleurs avec une autre langue que le français, parce que parlé par les parents ou les grands-parents, des langues régionales aussi qui sont parlées, qui font partie du quotidien de beaucoup d'enfants et puis d'adultes aussi. On sait aussi que les élèves issus de l'immigration font part d'une plus grande motivation à l'idée de réussir que les autres élèves, hein, ça c'est l'OCDE qui nous le dit. Et pourtant, les langues des enfants, notamment les langues des enfants issus de l'immigration, ne sont pas du tout prises en compte en contexte éducatif et les inégalités s'écreusent voilà, tout au long du parcours finalement, du CP jusqu'à l'intégration professionnelle. Donc de ce combat, tu en as fait une mission? Puis des objectifs donc pour cette association. C'est une association de type loi 1901, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une association à but non lucratif, loi 1901, et qui a la vision que le multilinguisme finalement de notre société peut être un levier pour favoriser l'égalité des chances et lutter contre les discriminations. C'est que la société française, mais aussi d'autres sociétés, sont marquées par une très grande diversité. On parle de super diversité d'ailleurs. Et on ne peut pas la nier. On ne peut pas la nier, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et on pense aussi qu'en fait, la prendre en compte peut être très très productif. Autrement, on risque de passer à côté de plein de possibilités, finalement, plein d'opportunités. Donc, j'allais te demander, ça devient des objectifs très clairs et une vraie lutte, j'ai l'impression. Comment tu détermines les objectifs? Quels sont-ils? Alors, nos objectifs sont trois, principalement. Nos objectifs permettent finalement, on essaye de favoriser la réussite scolaire de tous les enfants. On sait que c'est très important finalement pour apprendre, pour avoir envie d'apprendre, d'être considéré, d'être valorisé aussi dans son identité plurielle. Je le disais tout à l'heure, non, si on nie, si on rend invisible les langues des enfants, eh ben on rend invisible les enfants, on mutile les enfants. On mutile les enfants de certaines compétences qui sont pas seulement celles linguistiques, la langue familiale, la langue maternelle et les socles autour duquel on construit aussi les apprentissages de la langue française et puis d'autres langues par la suite. Et les études nous disent aussi que les langues sont des outils, finalement, des constructions identitaires. C'est les liens avec une famille, avec une histoire,
familiale qui est important finalement de garder pour la construction identitaire de l'enfant. Et puis des outils cognitifs, car une langue permet de mettre des mots, donc conceptualiser le monde, et on a besoin des langues, des mots pour pouvoir investir le monde. C'est le premier objectif, la réussite scolaire. Il y a un deuxième objectif, c'est aussi de lutter contre discrimination liée aux langues. Il y a des langues qui sont valorisées, puis des langues qui ne le sont pas. Des langues qui sont minorisées, qui sont considérées comme inférieures par rapport à d'autres, et des langues qui sont considérées comme polluantes. Donc, ce n'est pas si anodin d'entendre encore des professionnels de la santé ou des professionnels de l'éducation demander aux parents de ne pas parler, de ne plus parler leur langue familiale. Donc c'est aussi un projet de lutte contre les discriminations pour plus d'égalité de chance. Qui sont les membres de l'association? Alors, comment fait-on pour rejoindre l'association et qui vient te voir? Alors, l'association porte un projet qui est global, à 360 degrés, qui demande beaucoup de travail. On rigole souvent, on se dit qu'on n'a pas des chargés de projet, on a des surchargés de projet, dans le sens où c'est vraiment une approche systémique que nous avons mise en place. On s'adresse aux enfants, bien sûr, mais aussi aux parents et aux professionnels de l'éducation, du champ culturel, des professionnels du livre, etc. Et donc déjà là, tu vois, il y a une variété d'acteurs, finalement, à qui on destine nos formations, nos ressources pédagogiques et informatives, mais aussi nos ateliers, parce qu'on anime des ateliers. Et les ressources que nous produisons, ce sont des ressources qui se créent à travers une pluralité aussi de regards, des profils, d'expertise. Donc on retrouve cet écosystème très différent à l'intérieur de notre comité consultatif, où il y a des membres qui sont des designers, qui sont des chercheurs, qui sont des professionnels du livre, qui sont des linguistes, bien sûr, et des professionnels du terrain qui nous accompagnent. Et pareil, le conseil d'administration est animé par plusieurs membres aux horizons différents. Donc on a là aussi des chercheurs, mais aussi des personnes qui sont spécialisées en ressources humaines, management, etc. Voilà, donc on aime bien mélanger les publics. Ce que je trouve intéressant dans le projet des Dulala, c'est qu'on s'adresse à tout le monde. Le bilinguisme, le plurilinguisme est une richesse, si on sait le prendre en compte, s'il est valorisé. Et c'est une richesse, quelles qu'elles soient les langues. Donc nos actions s'adressent aussi bien aux personnes qui parlent des langues valorisées, comme l'anglais, comme l'allemand, comme l'italien aujourd'hui, mais aussi des langues issus de l'immigration économique et donc beaucoup moins valorisés, ou des langues moins connues, tout simplement, et donc on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, tu vois. Parlons un petit peu des actions, justement, et des projets que tu mets en place avec Dulala. Est-ce qu'il y a une approche Dulala, une méthode Dulala dans les actions qui sont menées? Écoute, notre approche est, je dirais, esthétique. Ça nous intéresse beaucoup de lier les langues, les expériences linguistiques, pardon, aux expériences sensorielles, ludiques et esthétiques. Les langues, on peut les mettre dans la bouche, donc goûter des mots qui viennent d'ailleurs avec des sonorités très différentes. On peut les écouter à travers des comptines, on peut les chanter. On peut aussi les reproduire des systèmes d'écriture très différents et les intégrer, par exemple, dans des planches, dans les kamishibai, par exemple. Donc, on peut les dessiner. Et les planches, enfin, les langues aussi sont porteuses, finalement, d'imaginaires culturels très différents.
Donc, on est aussi sur des leviers qui permettent une plus grande créativité. On pense vraiment que la dimension esthétique derrière toutes les ressources que nous produisons est très puissante pour donner le goût des langues, le goût des autres, le goût de la diversité, et qu'il faut faire du bon, mais aussi du beau, pour rentrer dans ce plaisir finalement de l'altérité et donner, provoquer des représentations positives. Ce qui nous permettra demain de voilà faire de lutter contre les discriminations et faire société tous ensemble. Lui donner envie aussi, oui. Tu as dit un mot, c'est, je crois, Kamishibai, si j'ai bien entendu. Qu'est-ce que c'est? Alors, Kamishibai nous vient du Japon et veut dire théâtre de papier en japonais. C'est une technique narrative utilisée par des conteurs de rue en Japon et qui racontait des histoires dans les parcs en mettant les butai, donc les castellets en bois qui contiennent des planches, qui défilent et qui vont raconter des histoires. Aux enfants, donc les conteurs de rue racontaient des histoires aux enfants en contrepartie de quelques sous de la part des parents. Donc c'est une technique narrative que nous avons découvert il y a très longtemps désormais et on a trouvé ça fascinant. C'était un moyen un peu envoûtant, enfin très envoûtant, très ludique pour rentrer dans les histoires. Il faut savoir qu'à Dulala, on travaille beaucoup avec les histoires. Pourquoi? Parce que ça permet de travailler les mots, donc le langage et les langues. Et on travaille les histoires dans des albums jeunesse que nous avons produits d'ailleurs, et puis que maintenant on pense, on réfléchit en lien avec la maison d'édition Siros, qui est notre partenaire. Mais nous pensons aussi les histoires déconnectées de l'outil livre de l'album jeunesse, parce que c'est un outil finalement qui peut être étranger ou faire peur à plein de parents, par exemple, qui sont allés très peu à l'école, qui sont analphabètes aussi, ou alors qui ne trouvent pas des albums dans leur langue dans la bibliothèque du coin, parce que les fonds plurilingues dans les bibliothèques commencent à se développer, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Donc, pour démocratiser l'accès à la littératie, l'accès à cette langue, non, qui marque l'entrée dans la lecture et dans l'écriture, c'est la langue des livres, la langue de l'évocation. Et ben, on travaille également avec des outils comme les boîtes histoires ou les kamishibai. Donc, c'est les enfants qui vont raconter des histoires, qui vont imaginer des histoires, des parents parfois, qui les accompagnent, qui les font avec eux, ce qui permet finalement une très grande imagination, créativité dans l'écriture ou dans le simple fait de raconter les histoires et ce qui permet aussi de travailler avec les parents, ce qui est essentiel finalement pour ce qu'on appelle la coéducation, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Les parents, finalement, ont un rôle très important à jouer, déjà dans le plurilinguisme, mais aussi dans les actions que tu mènes avec Dulala. Ce sont des acteurs incontournables de la communauté éducative qu'on souhaite toucher. On peut pas. On peut effectivement travailler. On travaille toujours en direction des parents, même quand on travaille auprès des professionnels. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de ressources pédagogiques, albums, kamishibai, boîte histoire, comptines, etc. Mais on produit aussi des ressources informatives. Comme des vidéos, comme des affiches, comme des livrets à destination des professionnels, mais aussi des parents. Et alors, parfois, on les transmet directement aux parents, et parfois, ce sont les professionnels qu'on outille, pour que les informations puissent passer aux parents. Alors, quels sont ces conseils que tu fais aux parents, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient souvent, j'imagine, dans les questions qu'on te pose et les conseils que tu fais toi ou que Dulala propose?
il n'y a pas de recette miracle déjà dans le bilinguisme. Je pense qu'il faut s'écouter. C'est le premier conseil que je donnerais aux parents, de s'écouter, de suivre leur propre bon sens aussi dans la transmission de la langue, d'en discuter beaucoup avant que l'enfant arrive au monde, parce que c'est vraiment un projet familial finalement, le bilinguisme, le plurilinguisme. Et de faire comme ils peuvent. Ça, c'est aussi important de le dire, parce que je trouve qu'on stresse beaucoup les parents aujourd'hui avec des recettes toutes faites, des méthodes, etc. Donc, de faire comme on peut. Il y a des parents qui se disent « Mais mince, j'ai raté quelque chose dans la construction du bilinguisme parce que je n'ai pas parlé 100% dans ma langue familiale, maternelle. » Ou alors... je n'ai pas du tout parlé en arabe, par exemple, parce que je suis née en France, les français est beaucoup plus naturel. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, il y aura toujours une transmission. Voilà, et puis de l'autre côté, il y a des parents qui n'osent pas trop, mais parce qu'ils n'ont pas les informations pour prendre finalement des décisions qui sont personnelles et pas sociétales. Et là, voilà, là, on les accompagne avec des informations, en donnant vraiment le choix aux parents de faire comme ils le sentent, de transmettre leur langue de cœur. Et voilà, et sachant que chaque situation, finalement, parentale, familiale, est très différente, et que c'est les enfants qui vont décider à la fin. Oui, c'est ça, c'est la motivation des enfants qui finalement revient très rapidement. Comme l'enjeu principal. Bien sûr, on peut construire tous les projets qu'on veut pour son enfant, mais c'est l'enfant qui va investir la langue s'il le souhaite, s'il trouve que c'est utile déjà pour lui, si c'est un moteur de plaisir, parce que le plaisir, l'envie est un moteur très important effectivement dans l'investissement de la langue. Puis tenir bon aussi, c'est un conseil que j'ai dit aux parents, parce que c'est pas parce que les enfants ne parlent pas la langue à 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'ils ne la parleront pas plus tard. Moi, je me rappelle de ma fille qui me disait « Maman, arrête de parler italien quand j'allais la chercher à l'école », tu vois. Et ça, c'était en CP, elle avait 6 ans. En 6 ans, on veut être comme les autres, on ne veut pas être différent des autres. Et là, aujourd'hui, c'est elle qui fait toutes les démarches pour apprendre, s'est perfectionnée en italien. Son projet, c'est d'aller étudier en Italie. Et quand elle dit en Italie qu'elle est bilingue et qu'elle habite en France, les gens ne la croient pas, tu vois. Donc voilà, c'est aussi tenir bon dans la transmission, si on a envie de ce projet de bilinguisme pour ses enfants. Et pour les enseignants, tu leur donnes quel conseil ? Écoute, pour les enseignants, dirais de... Déjà, bravo, parce que les enseignants font un travail qui est extraordinaire aujourd'hui, plus que jamais, je pense, et qui ne sont pas très bien outillés dans l'accompagnement des enfants en situation de bi ou plurilinguisme. Donc les informations, c'est à elles ou à eux d'aller les chercher, de se former. Et ça, c'est quand même indispensable pour pouvoir travailler dans les écoles du 21e siècle comme les nôtres. Donc le premier conseil, c'est de continuer à chercher, s'informer, se former, c'est très important. Et le deuxième conseil, c'est aussi de lâcher prise. Parce que quand on travaille dans l'éducation plurilingue, il y a sans doute des choses, des mots, des langues qu'on ne connaît pas. Et lâcher prise dans le sens de se dire que c'est pas grave si je ne sais pas tout, et que c'est probablement les enfants, les élèves qui vont m'apporter, m'enseigner des choses, et que c'est bien comme ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du contexte français et peut-être aussi aller au-delà dans le contexte européen et surtout avoir ton point de vue, comment tu vois les choses évoluer finalement dans le secteur de l'éducation à 2 langues ou à 3 langues, du plurilinguisme en France et au-delà? Écoute,
Je trouve que depuis 2009, l'année de création de Dulala, il y a pas mal de choses qui ont changé quand même dans les systèmes éducatifs. Donc j'ai envie de rester assez positive, même s'il y a encore beaucoup de travail finalement à mener. Je pense notamment à des changements qui impactent les écoles maternelles avec la loi des refondations de l'école de 2013 et des directives finalement sur l'importance de faire de l'éveil aux langues dans les écoles maternelles. Le problème, c'est que ces directives-là se traduisent très peu dans des formations. Il y a des académies qui le font, des CASNAV, Canopée aussi, qui commence à animer des ateliers, mais voilà, c'est pas partout, c'est pas généralisé en France. Il y a la semaine des langues, par exemple, qui s'est faite la deuxième quinzaine du mois de mai, il me semble. Donc ça, c'est une ouverture aussi très intéressante, finalement, pour célébrer la diversité linguistique et culturelle au sein d'une classe. Mais encore une fois, je pense qu'il faut que les enseignants soient bien outillés dans l'éducation plurilingue et interculturelle, parce que quand on travaille autour de la diversité, ça n'improvise pas. Il faut de la formation. On peut risquer de stigmatiser, folkloriser, et c'est pas du tout souhaitable. Ça, ce sont les grands défis finalement du secteur. Formation, traduction finalement de certaines directives. Donc il y a en maternelle avec l'éveil aux langues qui est présent dans les programmes. Il y a le guide pour l'apprentissage des langues vivantes à l'école qui a été diffusé à partir de 2019. Tu sais, les guides réalisés par Monsieur Taylor et Madame Manès. Donc là-dedans, on parle des approches plurielles, notamment. Et c'est plus qu'on en parle avec beaucoup plus qu'une phrase, finalement. C'est une vraie page qui est consacrée à ça. Après, il faut la traduire, finalement, dans des actions de sensibilisation, formation et ressources, outils pédagogiques pour les enseignants. Ce qui manque encore à... il y a beaucoup de choses, il y a déjà il y a pas mal de matériel, mais c'est pas connu du tout par les enseignants, par exemple. Donc il faut aussi pouvoir le vulgariser et le diffuser davantage. Et quand je pense, tu vois, à la situation dans d'autres pays, je pense notamment à la Belgique. Je sais pas si tu sais, mais là, depuis un an, toutes les écoles primaire de la Belgique impose l'éveil aux langues dans les classes en raison des 50 minutes par semaine. C'est super. C'est ce qu'il faudrait faire en France aussi. Et ça, c'est pour valable, enfin l'intérêt de l'éveil aux langues, de cette ouverture finalement aux langues, est valable pour des régions, pour des villes qui sont très brassées, caractérisé par une grande diversité linguistique, je pense à la région parisienne, tu vois, mais aussi par des régions où justement il n'y a pas des diversités, pas suffisamment des diversités linguistiques et culturelles. Et ça, c'est un enjeu majeur du monde dans lequel on vit, non? De s'ouvrir à l'autre, développer les compétences comme l'ouverture, la curiosité, et la créativité. Et la compréhension mutuelle aussi, finalement. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses des classes bilingues? Alors, est-ce qu'il y en a un espoir pour que les classes en deux langues, et pas que l'anglais et le français, tu vois où je veux en venir, est-ce qu'il y a un espoir pour que les écoles primaires de France et de Navarre développent ce type d'approche? Eh bien, écoute, moi, je rêve d'une révolution bilingue. En France. Moi, j'étais très admirative et très intéressée par l'expérience que tu as relatée dans ton livre, La Révolution bilingue. Je trouve très intéressant, finalement, comment des parents, comment la population peut prendre en main les choses et changer les choses. Donc, avoir des écoles où les parents disent, mais là, il y a une grosse
Gros pourcentage des familles qui parlent turc, si je pense notamment à l'est de la France, ou alors l'arabe, ou alors le portugais, etc. Et finalement, ouvrir des filières bilingues parce que les enfants ont le droit d'apprendre aussi dans leur langue maternelle. Il faut faire la révolution bilingue en France. Oui, on t'attend, Fabrice. Est-ce que tu as un message de, voilà, d'espoir à partager avec, avec nos auditeurs qui écoutent un peu partout dans le monde d'ailleurs? Alors, comment peut-on venir en aide à l'association? Comment peut-on rejoindre Dulala? Est-ce qu'il y a une manière de procéder? Écoute, merci beaucoup Fabrice pour cette question, parce que aujourd'hui plus que jamais, Dulala a besoin de soutien. Si les personnes souhaitent adhérer à l'association, s'ils souhaitent faire un don, c'est sur notre site internet dulala.fr. Nous avons été fortement frappés par la crise sanitaire lié au Covid, mais aussi à d'autres événements. Donc voilà, donc on a besoin de vous pour continuer à exister, pour continuer aussi à offrir beaucoup de ressources et des matériaux en accès libre, parce que ça permet effectivement de continuer à travailler, innover et mettre à disposition, transmettre un grand nombre de personnes. Merci beaucoup pour ton témoignage sur Ulala et sur ton travail formidable. Merci à toi. Entrepreneur social, Anna Stevanato finalement a monté une association qui vise à favoriser l'inclusion et l'apprentissage pour tous les enfants en proposant des formations pour adapter l'éducation au bilinguisme et au plurilinguisme. Aujourd'hui, grâce à son travail, il est permis de reconnaître l'enfant dans son identité plurielle et faire une place aux langues et aux cultures familiales à l'école, sans stigmatiser ou folkloriser, et permettre aux enfants de développer leur potentiel et les aider à construire une identité heureuse et harmonieuse. C'est finalement grâce à Anna qu'on peut créer des ponts entre les acteurs et les espaces éducatifs. Et limiter les écarts et les conflits de loyauté pour l'enfant, et ouvrir des fenêtres sur le monde. Merci à Emmanuel Saint-Martin de French Morning et à Zara Punawala pour le montage. À très bientôt sur Révolution Bilingue.